Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes jeudi 2 avril 2020 et je vais vous donner quelques conseils pour résoudre les problèmes de la page 79 de votre fichier CapMath. Arthur, Gribouille et Zoé vont dans une papeterie. Une papeterie, c'est un magasin dans lequel on vend du matériel lié au dessin, à l'écriture. Donc Arthur et Zoé sont dans le magasin. Ils se dirigent vers l'étagère où se trouvent ces différentes fournitures. Ils peuvent acheter un pinceau à 2 euros. Ils peuvent acheter aussi un tube de peinture à 7 euros. Une toile à peindre à 8 euros. Une pochette de feutre qui coûte 5 euros. Et enfin, un cahier à dessin à 3 euros. Voici le premier problème. Je vous ai déjà expliqué que pour résoudre un problème en mathématiques, il faut s'imaginer l'histoire, il faut se mettre à la place du personnage. Ici, le dessin va vous donner des informations, des indices, on peut dire même, importants pour résoudre le premier problème. Observez d'abord Arthur, ce qu'il a dans sa main droite. C'est ce qu'il va acheter. Donc, il va acheter un tube de peinture ainsi qu'un pinceau. Dans sa main gauche, il tient un billet de 10 euros. Enfin, ici, il y a une bulle dans laquelle est écrit « Le marchand va me rendre 1 euro ». La question est, Arthur a-t-il raison? Oui ou non? On ne va pas résoudre ce problème ensemble, tu le feras tout seul. Ce que je te conseille à chaque fois, c'est de bien regarder. Donc les informations qui sont sur les dessins, comme je l'ai déjà dit, et aussi de toujours revenir sur le dessin qui est en haut de la page, sur lequel tu peux voir le prix de chaque matériel. Indice numéro 1, calcule d'abord le coût de l'achat de ces deux objets. Et ensuite, tu pourras voir si Arthur a suffisamment d'argent ou pas, et quelle est la différence entre ce qu'il a et le coût des objets. Dans le problème numéro 2, c'est la même chose, c'est le dessin qui va te donner les informations importantes. Regarde ce que cette maman avec son enfant achète. Elle achète deux pinceaux ainsi que deux toiles à peindre. La question ici est combien la maman va-t-elle payer? La maman va payer, tu as juste à calculer le coût de l'achat de ces quatre objets. Dans l'exercice numéro 3, nous voyons Zoé. Qui tient un chariot, comme pour les deux autres exercices. Observe bien ce qu'il y a dans son chariot et ce qu'elle tient dans sa main droite. Dans le chariot, il y a trois pochettes de feutre ainsi que un grand cahier. Zoé tient dans sa main droite un billet de 10 euros. Ici, tu peux lire ce que dit Zoé. Il me manque 8 euros. Zoé a-t-elle raison? Oui ou non, tu entoures la réponse qui est correcte. Comme pour les autres exercices, en haut de la page, je les mets ici, tu as les prix de chaque objet. Dans cet exercice-là, tu vas aussi devoir calculer différentes choses.
le prix d'achat de ces quatre objets ainsi que la différence entre le coût des objets et la somme d'argent Kazuo est dans sa main. Enfin, dans le dernier exercice, Gribouille veut acheter tous ses articles. Lui, il achète toute l'étagère. On te demande tout d'abord combien Gribouille va-t-il payer. Et toi, tu écriras ta réponse ici. À droite, tu peux voir la somme qu'il a dans son porte-monnaie. Il a deux billets de 10 euros, un billet de 5 euros et une pièce de 2 euros. Donc, pareil, calcule la somme d'argent qu'il a dans son porte-monnaie. La question est, combien lui restera-t-il d'euros? Il lui restera à toi de trouver. Dans cet exercice, tu auras trois calculs différents à faire. Bon courage et à demain !